Les partis d'opposition tunisiens dénoncent des restrictions arbitraires permettant d'assurer la réélection du président Kais Saïd, alors qu'il ne reste plus que quelques jours avant la fin des dépôts de candidature à la présidentielle. 11 personnalités de l'opposition ont publié cette semaine un communiqué critiquant les autorités où ils déclarent que les violations ont touché la plupart des candidats au point qu'elles semblent indiquer une volonté de les exclure de l'élection. Les 11 personnes n'ont pas encore obtenu le document certifiant qu'elles n'ont pas de casier judiciaire. Il s'agit d'une nouvelle condition essentielle pour s'inscrire au scrutin. Face au retard dans l'octroi de ce document, la commission électorale a déclaré jeudi que le ministre de l'Intérieur allait contacter les concernés pour leur fournir la pièce manquante. L'instance a également rejeté les accusations de partialité.